et inodore, incolore et sans saveur. Ces qualités élémentaires du liquide naturel sont sans objet ici à Boto, dans le village Omende, arrondissement de Bokito. Comme il est de tradition ici, les points d'eau sont saisonniers. En saison de pluie, donc dans la période entre septembre et novembre, nous recueillons l'eau de pluie sur les toitures. Dès décembre, nous faisons 4 km parce que nous avons un point d'eau. À partir de février, de janvier jusqu'en mars, nous sommes obligés de faire 7 km. Les femmes, leurs enfants et parfois accompagnés de leurs maris parcourent plusieurs dizaines de kilomètres à la recherche de ce précieux liquide. Nous souffrons correctement. On se réveille à 4h du matin. Quand on se réveille là, on fait un petit déjeuner pour les enfants. On commence à chercher de l'eau. Une eau dont la couleur et la saveur n'ont rien de commun avec ce que nous buvons au quotidien. Insalubre et recouverte des algues. Ici, les amibes et sangsues ont élu domicile. Le premier constat évident, c'est que les populations ont l'habitude de s'approvisionner en eau dans les bas-fonds. De quels bas-fonds? L'eau qui se trouve dans ces bas-fonds est essentiellement calcaire. Donc elle a une couleur grisâtre et donc pas très bonne vraiment pour la consommation. La plupart des points d'eau qu'on a visités, c'est des points d'eau vraiment de surface. C'est-à-dire que soit c'est la nature qui a fait une concavité quelque part où l'eau de pluie ou l'eau qui vient du sol se dépose. Ou alors un point d'eau qui est là depuis très longtemps. Bon, quand il y a l'eau, on puise. En saison sèche, évidemment que ça se vide. Plusieurs élèves se lancent à la recherche de l'eau potable très tôt le matin avant de retrouver le chemin de l'école. Ceci engendre des retards cumulés à l'école, toutes choses qui concourent aux échecs scolaires. Tous ces problèmes sont liés aux parents. Le matin, certains parents, la plupart même, retiennent les enfants d'abord pour les commissions. Et après 7 heures, ils se mettent donc à se débrouiller à venir à l'école. À l'école publique d'Omende, des partenaires au développement ont construit un réseau d'eau, mais les robinets sont secs. Pendant la récréation, les élèves se débrouillent comme ils peuvent pour étancher leur soif. Nous sommes franchement diminués. Et s'il faille qu'on demande peut-être de l'aide au gouvernement, pourquoi pas? Puisque ces bâtiments-là, c'est la sueur de nos parents. On n'a jamais eu un don venant d'ailleurs. Donc, moi j'aimerais que le gouvernement puisse nous donner un coup de pouce pour qu'on continue à mettre en œuvre notre idéologie de développement. Les conséquences de la consommation de cette eau de mauvaise qualité sont nombreuses. Les populations souffrent des maladies hydriques devenues endémiques. L'absence des infrastructures d'accueil et l'insuffisance des produits de soins de qualité viennent s'ajouter au déboires des populations de cette localité, située à 48 km de Bafia, chef-lieu du département Tumbam et Inugu. Même le puits, construit dans l'enceinte du centre de santé, ne fournit pas d'eau potable, ce qui affecte considérablement le quotidien des villageois qui tirent l'essentiel de leurs revenus de l'agriculture, de l'élevage domestique et du petit commerce. On travaille à la roue, la machette. On défriche, on fait les champs, les plantations, on fait le manioc. Même comme ça ne passe pas, on attache les bâtons, le tarot. Et il y a les maladies qui sont déjà venues, nous ne connaissons comment faire. Dynamique et soucieux d'un lendemain meilleur des générations futures, le CDC
Entendez, comité de développement du Cameroun a pris à bras le cœur les problèmes du village Omendé. Et en fait, le CDC se déplace sur le terrain, comme il a eu à faire par le passé. Mais ici, nous sommes venus parce qu'on nous a dit, au fond, comme c'est d'ailleurs le cas souvent dans le pays très profond, qu'il y a un sérieux problème d'eau à Boto, problème d'éducation. Donc nous sommes venus nous-mêmes nous imprégner des problèmes afin, n'est-ce pas, de renvoyer les observations faites sur le terrain au niveau de la hiérarchie pour que certaines décisions soient prises. Espérons qu'avec l'aide des âmes sensibles, des mécènes, des partenaires au développement et du gouvernement camerounais, nous redonnerons du sourire aux populations de cette localité qui n'ont rien fait pour mériter ce sort. Ainsi, nous apporterons notre contribution à l'édification d'un Cameroun émergent à l'horizon 2035. Ceci passe par l'émergence éducative en 2020 et l'émergence sanitaire en 2025, une des composantes du rêve camerounais tant prôné par le CDC.